Un beau bonjour à toutes et tous. Voici en quelques mots ce que cet ange peut nous accorder et ensuite la prière à ce bel ange. L'ange numéro 13, Yézalel, le cinquième chérubin, porte l'union des énergies d'Uranus et du Soleil et donc porte à la conscience de son protégé, un message de fidélité aux autres afin de lui faire savoir qu'il n'est pas seul. L'individu aura un désir d'unité, d'union. L'unité dans notre monde est formée par notre double personnalité masculine et féminine, et son désir fondamental sera celui de s'unir à l'autre sexe pour former l'unité sans laquelle toute progression est impossible. L'unité crée l'ordre, l'harmonie et la beauté, et l'individu, aidé par les pulsions uraniennes de cet ange, son gardien, sera un agent au service de l'union de ce qui est supérieur avec ce qui est inférieur. Il sera une fontaine d'amour pour tous ceux qui l'entourent. Il pourra être le grand unificateur dans tous les domaines. La famille, la société, la patrie, les peuples, les continents, les races. Prière à l'ange Yézalel. Yézalel, donne-moi, ange, la juste mesure des dons et pouvoirs que tu m'accordes, pour qu'ainsi mon imagination et ma raison ne soient pas les maîtresses de ma vie. Fais que mes désirs acceptent les commandements de mon esprit et que la fidélité règne parmi mes souhaits. Aide-moi, ange, à me rappeler les conquêtes morales de mon passé et ne me permets pas d'exprimer l'erreur. Éloigne-moi de tout ce qui est superflu, insignifiant, dérisoire ou minuscule. Éveille mon intérêt pour ce qui est éternel, pour que je puisse exprimer la beauté et l'harmonie, la joie de vivre. Je veux être l'émissaire de la vérité éternelle. Merci avec toute ma gratitude. Que l'amour et la lumière guident chacun de mes pas.